Rendez-vous sur des roues et à toutes équipes. L'heure de passage en RTU, 13h54min 14s. 13h54min 14s. Je vous rappelle pour la deadline dans quelques temps. Première question, comment s'est passé le départ, le passage de la ligne et dans quelles conditions, si tu peux nous dire en deux mots.
Bah écoute, c'est toujours un super grand moment. Hein. D'abord, les gens qui quittent le bord, tu déroules ta voile d'avant et puis tout d'un coup, ça s'accélère. J'ai eu à peine le temps de me retourner que je voyais déjà plus ni Zodiac ni bateau autour de moi et vous avez été avec l'hélico les seuls à m'accompagner aussi loin. Et c'était comme à chaque fois dans le boulet, toujours un petit peu tordu et ça s'est accéléré très très vite pour être très vite dans le vif du sujet parce que là je suis effectivement toujours entre 28 et 30 nœuds depuis la sortie du goulet basse. À toi. Oui, reçu, merci Thomas. Effectivement, tu es entre 28 et 30 nœuds. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de vent à l'approche de ça. Comment envisages-tu les prochaines heures et a fortiori les prochains jours? Normalement, ça devrait se calmer après. Dès que je vais pouvoir parler l'île de sang, ça risque d'être quand même un peu plus facile. Là, c'est un peu inconfortable parce que c'est travers à la houle, mais assez grosse. C'est normal, hein, c'est les conditions normales de cet endroit-là. C'est ce qui était prévu avec quelques rafales à 28-30 nœuds, donc c'est des conditions tout de suite assez viriles, agréables mais viriles, il fait pas trop froid. Et ce début aime bien ces conditions-là, je pense que d'ici quelques heures ça va être un vrai régal, je vais mettre même encore un peu plus de toile. Et m'engager petit à petit finalement dans la place de Gascogne, à toi. Certaines délivrances. Je quitte un monde que j'aime avec des gens que j'aime, mais j'ai envie d'aller où je vais. Ça fait longtemps qu'on prépare ça. Je crois qu'on a un super engin pour le faire. Et c'est beaucoup d'efforts pour arriver à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a un déchirement, un arrachement à chaque fois quand on quitte la Terre, mais c'est pour aller vers du plaisir et puis des choses qu'on a envie. Par contre, ce moment, cette transition, elle est compliquée à gérer. Il faut réussir à passer. Moins de 57 jours, c'est effectivement le temps qu'a mis Francis. L'année dernière, c'était 71. Là, évidemment, le challenge est ultime. Mais c'était déjà le cas quand on faisait les Jules Verne en équipage. À chaque fois, on dit qu'il faut le faire pour le battre, mais il faut déjà voir le faire. Les records, je crois, plus ça va, plus ils prennent une dimension sportive et une dimension technologique et technique passionnante. Nous, on s'est en tout cas avec Sodebo passionné pour ça et on se lance dans les pas d'un grand monsieur, celui de Francis Joyon. On verra aux alentours, je crois que c'est du 10 janvier, si on a rempli le contrat ou pas, en tous les cas, d'ici là. De la glisse, comme tu dis. Hein, je ne promets pas autant de monde que. Bon. Julien, allez, tu restes là ? Je monte un peu avec toi, pardon. Passage de la ligne, donc 13h54 et 14 secondes. Reçu, Thomas,
Bon, alors je vais, attends, je vais noter ça. Thank you.